Il y a près de Sion, 1 à 4 contre le FC Zurich au Lexicon. C'est pas facile à gérer. Non, c'est pas facile, ça fait mal. Ça fait mal au moral surtout parce que aujourd'hui on a voulu attaquer très haut depuis le début, c'est ce qu'on a fait. Et malheureusement pour des petites erreurs de notre part, on a pris ces deux buts à la première mi-temps. Et ça nous a cassé un peu le rythme, on n'a pas réussi à tenir les ballons, plutôt on n'a pas réussi à jouer comme on a joué les derniers deux matchs de championnat. Et ça nous a aussi enlevé un peu de confiance en nous, et on n'a pas réussi à les prendre haut jusqu'à la fin du match. Pourquoi c'est plus facile pour vous de jouer à domicile maintenant qu'en ailleurs? Probablement, je pense que oui, parce que pour ce qu'on a montré les deux derniers matchs contre Lietze et Lucerne, on a fait vraiment deux grands matchs. Et ici, je le répète, on a essayé de faire la même chose, de répéter ces deux matchs, mais malheureusement pour des petites erreurs, on a pris ces deux buts qui nous ont enlevé confiance. Et ça va bien tourner. Maintenant, vous êtes personnellement au retour de Super League, avec une opportunité avec le FC Sion. Et maintenant, à Zurich, c'est 0 à 2 et le coach vous fait une substitution devant le mi-temps. C'est comment vos sentiments personnellement? Il l'a fait pour l'équipe. On avait besoin d'un changement, quelque chose de plus offensif probablement. Et il l'a fait pour, je le répète, pour le bien de l'équipe. Et il faut accepter. C'est sûr que ça fait toujours mal parce que tous les joueurs veulent jouer 90 minutes. Mais je le répète, il faut accepter. Maintenant, il faut vraiment penser pour. Pour l'équipe, ça n'a pas bien été. Maintenant, il y a du travail derrière et on pense déjà au match de l'avant. Et comment vous voyez votre carrière personnellement? Quelles sont vos ambitions? Moi, jusqu'à maintenant, tout ce qui est arrivé les derniers mois, c'est incroyable. C'est un rêve qui se réalise. Mais il faut le prendre comme un début maintenant. Et il faut vouloir toujours plus. Et je le répète là. Je ne suis pas en train de penser à moi-même, il faut vraiment qu'on retrouve la confiance qu'on a eue les derniers matchs de championnat et qu'on reprenne les jeux. Et pour le FC Sion, on n'est plus dans la coupe, mais on a le championnat. La saison passée, on avait presque fait l'Europa League encore. Ça pourrait être similairement dans cette saison. C'est encore faisable, je suis sûr que c'est encore faisable, le championnat est serré et il est encore très long. Il y a encore un retour, il y a encore trois matchs avant que l'aller finisse. On a encore le temps pour aller prendre le classement.